Et là, on fait la rangée de nounours. Tiens, je te laisse faire. C'est toi qui fais la rangée de nounours, d'accord? Ok, super, bravo! Bravo! Voilà, donc vous avez compris l'idée. Bah, en fait, aujourd'hui, on va faire nos bonbons Haribo à nous. Parce qu'effectivement, c'est l'anniversaire de Haribo. C'est combien? Quel âge? 50 ans. Bon. Et voilà la jolie boîte qu'on s'est offert pour ces fameux 50 ans de Haribo. Avec bah, des petits nounours, des petits crocodiles qu'on retrouve dans la boîte, puisqu'on a les moules nounours. Oui, il y a les moules, mais il n'y a pas les bonbons dans la boîte. Non, bien sûr que non, ça c'est les moules pour faire soi-même ces bonbons. Valentine, toi tu prends les nounours. Voilà, et les crocodiles, ce qu'on va faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, on va tenter donc la recette des bonbons gummy, crocodiles et nounours. Valentine, elle a les nounours, et voilà. Ouais, t'as les petits nounours, fais voir. Alors, on va faire de deux couleurs différentes. Ouais. On va en faire de deux couleurs. Alors la recette n'est pas dans le livre. Non. Bon. On va faire deux couleurs différentes puisqu'on a du sirop de grenadine et du sirop de menthe. Mm-hmm. Très bien. On va faire avec ce qu'on a. Alors on a ça, on a des feuilles de gélatine. Ouais, important. Et du citron, normalement il nous faut. Oui, il y en a, attends, je vais t'en donner. Du citron. Je vais t'en donner. Ok, alors il faut bien mesurer les choses. Voilà. Normalement, je crois que... Du citron, monsieur. Ah, tiens, je vais prendre un petit peu de jus de citron. Normalement, les doses, grosso modo, c'est 9 feuilles de gélatine pour... c'est 80 ml de sirop, 40 ml d'eau. Voilà, moitié moins d'eau. Moitié moins d'eau. Mais par rapport au nombre de 9 feuilles de gélatine. Ouais. Si on avait 18 feuilles de gélatine, on pourrait doubler. Et là, en fait, je vais devoir couper en deux les feuilles de gélatine et tout diviser par deux. Ouais. Pour faire monter. Ouais. Donc, alors, on a 80 ml, donc ça fera 40 ml de sirop. Je peux t'aider? Bien sûr. D'accord. Ok, très bien. Donc, alors Fantin, tu dois mettre 40 ml, c'est... ils sont où? Ils sont les 40 ml? Et ils sont où? Bah, tu mets mais jusqu'ici ils sont de sirop. Où mais ils sont d'accord où les 40 ml? Ouais, mais voilà, jusqu'à ici, là, tu vois, jusqu'à 45 kg, c'est pas grave. Voilà, là, on sent que là, les chefs se concernent. Eh, mais il n'y a pas de tablier? Ah, les tabliers! Oh là là, mince! Un tablier, Martine, aussi, toi, tu veux faire? Ouais, je veux faire. Tu veux faire? Ouais, ah, ce serait mieux que tu fasses au-dessus du pompe. Ah, c'est bon, ça! Voilà, ça, ça coule. Voilà, bon. Bon, alors, Martine a décidé de nous rejoindre. Hein, je vais mettre. Par contre, vous n'aviez pas mis les tabliers. Vous n'aviez pas mis les tabliers, donc on va mettre les tabliers. Tiens, Martine. Voilà. Petit tablier de cuisinier. Petit, alors ça c'était le tablier de Fantin, ça. Hop. Et ce l'est toujours. Ben, ça l'est toujours, mais bon. Alors, tout, ça c'est... Ils adorent faire la cuisine. C'est vrai, ils adorent faire la cuisine. Alors quand il s'agit en plus de bonbons... Fantin, toujours le danseur, hein, même dans la cuisine, il danse. Voilà. C'est vrai que tu danses bien, mon chéri. Je vais t'inscrire à Danse avec les Stars Junior, moi. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, c'est vrai. Valentine, elle rivalise de... C'est la danse... Je ne veux pas rester en reste, Valentine. Ok. Hop là, chica, chica, chic. Aïe, aïe, aïe. A chica, chica, chic. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, pif. Il faudrait qu'on t'achète un vrai tablier de cuisinier là, ah, parce oui, que parce là que c'est le mien en fait. C'est voilà. C'est le mien. Ouais, mais il nous va. Ah oui, tu vas, oui, bon, parce que je suis obligée de faire tout un truc derrière. C'est un vieux tablier ça, c'était le tablier de ma mère déjà, tu vois. Ouais. C'est un tablier des années 70, c'est dire. Hein. Ok, bon, hop, le tablier de Fantin, c'est fait. Le tablier de Valentine, c'est bon. Je vérifie, par contre, la quantité là, que tu as mis là, de grenadine. J'ai mis un petit peu moins que... Non, t'as mis un peu plus même, tu vois. T'as mis même, ouais. Parce que tu as dit à 45, là, t'es au-dessus. Hein. Bon, allez, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va ça faire avec. Alors tiens, Amantine, alors toi tu vas mettre le. Amantine, tu vas verser ça dans le petit pot.
D'accord. Dans le petit pot. Dans le petit pot. Oh, voilà. C'est bien. Et maintenant, on va mettre... Non. Alors, Fantin, tu as mis 45. Maintenant, on va mettre la moitié d'eau. D'accord. Ok. La moitié d'eau. Faut-tu le mettre droit, sinon si tu le penches, voilà, c'est faussé. Ah, hop, c'est bien. Très bien. Tu peux le mettre. Amantine, c'est Amantine qui va le verser maintenant. On fait le relais, tu vois. Toi, tu verses l'eau. Amantine fait l'un. Waouh, voilà. Alors maintenant, tu peux le remplir, là, les 40 avec le sirop. Avec le sirop. De menthe. De menthe, on change. On met la menthe. Ah oui, de menthe. Ah oui, pour faire les verres. Est-ce qu'on a mis les feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide? Non, il faut mettre les feuilles de gélatine à tremper. Tu as tout à fait raison. Dans l'eau froide. Dans de l'eau froide. Tiens, je vais le faire là. Et pourquoi pas de l'eau chaude? Voilà, Fantin, je crois que tu as un peu trop rempli là. Non, c'est à 45. Ah bon, bah super alors. C'était de loin, j'avais l'impression. Mais... Voilà, à la base, c'est 40, mais... Eh, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Bah, c'est Amantine qui verse dans le. Bah, dans un dépôt transparent, tu mets. T'es sûr que c'est à 45, t'es pas à 60. Hein. Non, c'est à 45. Ok, tu mets un autre pot transparent, pas là où il y a le rouge. Hein. Oh, bravo, Amantine. Voilà. Bravo, elle a fait ça de main de maître, et Amantine. Fantin, bah, maintenant, tu mets l'eau dans le petit doseur. Eh. Tu mets les 20 ml d'eau. Amantine, eh, comme ça, hein. T'es une super cuisinière, hein? Championne. Et voilà, tu les mets là. Voilà. Voilà. Une, deux, par contre, le verre, c'est plus foncé. Ouais. Ah oui. Donc c'est papa qui met les feuilles de gélatine dans l'eau. Voilà. Je fais moitié-moitié, j'ai divisé par deux. Hein. Ouais. 4,5, comme ça me fera des bonbons des deux couleurs. Ouais. Alors, bon, ça c'est des dents. Superbe. Et alors, je vais attraper, tiens, puis excuse-moi, je vais attraper une... Attention. Le citron. Ah, voilà, on va mettre le citron, là, voilà, ça c'est mon assistante cuisinière c'est qui ça. Est... C'est ça, c'est ça. Qui est là, voilà, hop. Effectivement, Fantin, il y a le citron, bah tiens, tu vas mettre quoi, une cuillère, tu prends le citron, tu presses le citron dans la cuillère, et hop, tu mets une cuillère de jus de citron. Amantine, tu peux tourner un petit peu, là, le... Ça, c'est la cuillère pour la grenadine. Tu mélangeras pas les deux cuillères, d'accord? Ok. Ah. Faut la tenir, voilà. Faut la tenir droite, sinon... Ok, c'est bon. Voilà. Très bien. Et pareil pour la grenadine. Voilà. Ok, c'est bon. Super. Jusqu'à la grenadine, attention. Ouais. Bravo. Ok, maintenant tu mélanges ta cuillère, là. De menthe, bah, laisse-la remonter la limite. Maintenant, il a fait les mélanges. Ok, elle mélange la menthe. Ouais, c'est une équipe qui gagne là pour l'instant. Hein. C'est bien. Oh, bravo, bravo. Elle me dit voilà, c'est fait. Alors la gélatine, on la laisse. Vous faites de la cuisine à l'école, Amantine? Ouais, elle goûte. Ah non, faut pas goûter. Ah non, oui, après, bon bah voilà, tu peux ranger, Fantin, tu peux ranger les petites bouteilles. Hein. Ça pique. Oui, c'est normal que ça pique. Pourquoi ça pique? Ah, à cause du citron, non? Ah, ça doit oui, être oui, ça. Oui. Ça doit être ça. Alors ensuite, on va verser tout ça dans les moules, mais déjà, on va mélanger avec la gélatine. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Non, parce que... Ah oui, il faut les mettre au micro-ondes. Faut d'abord les mettre au micro-ondes, les petits pots. Oui, on va mettre d'abord les petits pots au micro-ondes. Il faut les mettre 45 secondes. Ouais. 40 secondes. Ouais, moi je suis dans les 45, je ne sais pas pourquoi. Bon, ouais. 40, allez, 40 secondes. On va voir. Allez, 40 secondes. Et ça va pas, tu Allez, 40 secondes. C'est Amantine qui s'accroche à ma caméra. 20, voilà, on y est presque, on est presque. En fait, c'est très simple. C'est très simple, en fait, comme recette. Pour l'instant, après avoir le résultat. Hein. On se hâte. Fantin, qu'est-ce que tu dis? Il surveille le... 30. Ah ouais, 25 secondes, le décompte infernal. Non, pas encore. Si, 40. Ah non, il y avait marqué 20 secondes. Ah oui, parce qu'il reste 20 secondes par rapport à la minute. Ah, d'accord. Il avait raison. Bravo. Je vais les égoutter. Je vais les égoutter, je vais les mettre directement dedans. On a comme ça, voilà. On dirait que c'était égoutté. Hein. Ouais. Voilà, c'était égoutté. Qui c'est qui va manger des bons bonbons? Moi. Voilà. Tiens, alors, Amantine. Tu prends ta cuillère, tu prends une cuillère et tu mélanges, mais doucement. Tu mélanges très doucement, d'accord? Moi aussi. Oui, oui toi aussi. Tu prends le rouge. Papa est en train de te préparer le tien, Fantin.
Très doucement. Voilà, doucement pour faut faire pas que ça sorte pour diluer du... la gélatine. Faut pas que ça sorte du pot, ma chérie. Ouh, c'est chaud quand même. Oui, mais pose, laisse-le sur le plan de travail, ton pot. Voilà, et hop, faut diluer bien la gélatine dans le pot. Tu vois comment tu fais ? Tu tournes. Donc, tu tournes doucement. T'es bien. T'es bien, ma chérie. Voilà. Ouais, je prends un petit plat à gâteau. Juste pour mettre mes moules, tu vois, ils font pile poil la taille. Je mets mes deux moules là, ça sera plus facile après à transporter. Faut que tu l'aides, sinon hop là, voilà, tu fais comme ça à chaque fois. Hop là, très bien. Hop, bravo. D'accord. Alors tiens, on va remplir des crocodiles pour être sûr. Parce que ça se trouve, on n'en aura pas assez. C'est bien, Amantine. Les crocodiles, les crocodiles. Voilà. Sur le bord du Nil. Et là, on fait la rangée de nounours. Tiens, je te laisse faire. C'est toi qui fais la rangée de nounours, d'accord ? Ok, super. Bravo. Bravo. Et pour finir, en fait, voilà. J'ai récupéré ça. Alors, vous ne l'avez peut-être pas. Ça, c'était ce qu'il y avait dans un des calendriers de l'Avent. On a récupéré ça dans un calendrier de l'Avent chocolat. On va voir si ça marche. Ça marchera normalement, mais voilà, j'avais de quoi faire des bonbons. Hein. Bon, alors, il y a eu un petit incident. Voilà, Fantin a eu... Ben voilà, c'est pas facile, c'est sûr, de verser le contenu délicatement. Là, je sais pas ce que ça va donner. Bon, c'est pareil, il y a eu un petit incident, mais bon, je pense qu'on arrivera quand même. Et papa aussi a fait un petit incident. Non, voilà. Ah, faut juste y aller. Faut pas y aller d'un coup comme une... Voilà, ça coule vite, c'est tout. Mais ça coule vite, c'est difficile. Ah ben oui, quand on n'est pas habitué. Cette grenadine est une grenadine naturelle. Pour le coup, elle n'est pas très colorée. Pas des grenadines. Bon, alors, hop, voilà, on va mettre au frigo notre moule. Bon, alors oui, il y a eu un petit accident, mais c'est pas très grave. On va voir, de toute façon, hein, Fantin, Amantine, si quand même bah, le résultat au goût et tout est assez similaire des vrais bonbons. Hein. Alors, hop. Celui-là, il sera goût fraise et goût... Bah, il sera mélangé. Il sera, voilà, il aura une couleur mélangée. Mais bon, l'important, voilà, ça a commencé à se... rigidifiés, voilà, on va les mettre au frigo pendant une demi-heure et on se retrouve tout de suite après pour le démoulage. Alors, bon, alors, on n'a pas tout enchaîné, hein, parce que en fait, on avait eu d'autres plans entre temps, on avait d'autres choses à faire. Voilà. Bon. Alors, donc, on en a fait d'autres aussi. Regardez, ça me dit. Waouh. Ah, regarde la tête, il n'avait pas vu ça, hein, celui-là. Il ne l'avait pas vu, ben non. En fait, alors ça, ce sont ceux qu'on a fait la première tournée, ce sont voilà, le rose et le vert. En fait, c'était ceux à la grenadine, ceux à la menthe, comme ceci. Et là, j'en ai fait des bleus et des jaunes. Les bleus et jaunes sont à base de sirop d'orgeat, et je me suis servi de colorant alimentaire. D'accord. Ah, ben, d'ailleurs, ça, les blancs, là, j'en ai fait des blancs aussi, en fait, ce sont... des petits nounours à base de sirop d'orgeat. Ça, c'était la grenadine naturelle normale. La même grenadine, mais avec un peu de colorant. D'accord. Du colorant alimentaire. Histoire de soutenir un peu la couleur rouge. Bon, alors, puis il est temps de déguster quand même un peu. Ouais, vous pouvez, hein. Vous me dites... Moi, je vais goûter à la grenadine. Vous me dites ce qu'il en est. Moi, j'ai goûté un jaune. Un jaune. Alors, le jaune, c'est sirop d'orgeat avec un peu de colorant. Tiens, moi aussi, je vais goûter le... Regardez le jaune. Alors c'est beaucoup moins sucré que les vrais haricots. Que les vrais. Mais c'est pas plus mal, je trouve. Bah, ça fait la blague, hein, quand même. Ouais, franchement, c'est pas plus mal. 21, hein. Crocodile bleu, une note de 1 à 10. Très joli. 10. Ah, quand même, même sans la mousse. Bah, moi, je mets 10 hein, aussi. Je suis content parce qu'en plus, le moule, il est super. Regarde. On voit bien le détail. Ça le fait vachement bien. Alors c'est vrai que c'est 50 ans de Haribo, ça nous a donné l'occasion, on s'est dit tiens, ça nous a donné une idée, on s'est dit tiens on va faire nos bonbons nous-mêmes Haribo, pourquoi pas. Oh. Exactement. Ouais, et ça marche très bien, hein. Et en plus on peut en faire plein et c'est super rapide. Ça donc, met même pas une demi-heure hein, entre la préparation et la fin de... Là, il fait le combat de le nounours et le crocodile. Le combat de nounours et de crocodile, Amantine. Bon, Fantin, alors 10 sur 10 sur tous les bonbons, tu te régales? Je crois, en tout cas, il les mange bien, tu vois. Bah, je trouve que c'est plus léger que les vrais, en fait. Ça se mange plus facilement. Je trouve que c'est plus léger, c'est moins sucré.
C'est frais. En fait, c'est un bonbon à faire en été, bah, je trouve. Là, ceux à la menthe, ils sont très frais, hein, Fantin. Moi, je pense que c'est des trucs à faire en été, ça. Et je le sens, il n'est pas sorti. Ah, il n'est pas sorti, tu le démoules, c'est ça? Bon, bah en tout cas, voilà, on va vous dire au revoir. On dites-nous que... si vous avez de quoi booster nos recettes, si vous avez trouvé que... Des petites idées si vous avez en des idées, s'il y en a qui savent faire le, aussi, tu sais, le, justement la mousse, là, pourquoi pas, là, dites-nous. J'ai une espèce de petit truc blanc qui va derrière. Dites-nous comment on fait, et puis dites-nous, bah voilà, si vous êtes fiers de nous. Mais même si, en fait, on n'avait pas ces moules-là, on aurait pu faire, en tout cas, la texture, tout ça, vous l'avez vu, on l'a fait avec... Les moules de nos anciens calendriers de l'Avent, ça fait tout autant, en tout cas c'est le même goût, tout ça. Bon là c'est un peu plus marrant quand même. Voilà, on vous fait plein de gros bisous. Bisous, bisous. Abonnez-vous, partagez, la petite cloche. Pouce bleu, et bon, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Bisous, ciao. Ciao. Pouce bleu. Cacao. Ah, elle fait pouce bleu.